pense que vous avez été ouais. plus proche de ça, et puis celui-là il s'en va. Plus. Ah merde. Oui. Oui, non, mais c'était. Bah après, bon, on va à Narshada. Je suis sûr du coup, hein, parce que moi je vois la bague de casseur. Moi je suis sûr du coup, hein, parce que la musique de Narshada, non, chasseur de Caldrax. J'aime pas. Oui, oui, oui. Y a-t-il à Narshada? Les emmerdes. À part une lune. Les huttes. Ah, mais c'est les bons gars, ça. J'avais déjà dit, des emmerdes. Ah. Les huttes et tout de... plein de trucs du même genre. Et quand vous dites les huttes, vous parlez de... Les huttes, c'est la lune de Nal-Hutta. Planète en fait, des tu huttes. Vois, c'est les petits villages construits avec des cabanes en bois qu'on appelle les huttes. Et du coup... Non, ils vendent des pizzas, là. Du coup... tu connais beaucoup, toi, en culture. Je vois, c'est un truc que tu sais, une mafia qui s'est bloquée là-bas, du genre. On va peut-être continuer de réparer le vaisseau parce que les gens peuvent. Et se soigner avant aussi, ce serait bien de partir. D'abord le vaisseau. Narshada, c'est un peu. Non, mais d'abord le vaisseau, sur le trajet, vous pourrez vous baigner dans la cuve de Bacta. Ouais, un petit bain comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a du Bacta. Par contre, t'en renverses pas partout. Il y avait deux cuves, donc on va d'abord utiliser celle qui est ici. Allez, viens, Bacta, un coup à la maison. Après, le Bacta, il est bon, mais il ne marche plus pour l'approvisionnement. Ouais, mais il y a une cuve qui est sur place, ici. On utilisera celle qui est dans le vaisseau plus oui, tard. Oui, oui. On aura un besoin. D'accord, bah, en tout cas, merci pour le... Mais on a juste cette info-là, on a Narshada, c'est tout. Narshada. Une planète, une destination, ouais, c'est pas mal. Une destination, c'est pas mal. Ouais, mais à la fois qu'on avait une destination, on savait pas pour ouais, le roi, il a... le roi, il aurait appelé 10 minutes plus tard, c'était nickel. Pourquoi il a dit, il lui aurait donné une piste. Il a dit, mon fils perd la tête, non mais là. Ouais, j'ai compris. Ah, c'est ça. Il nous a dit, en gros... Qui est blessé? En gros, il s'impatient. Moi, je suis blessé. Non, je suis blessé. Moi, ça marche pas dans le bac. Blessé à quel point? Ouais, je suis quand même pas frais. Et tout? Ouais, ça va, ça peut aller, je suis pas prêt. Hein. Moi, voilà, ça va nickel. C'est lequel qui est le plus blessé, tu t'occupes de celui qui est moins blessé, le plus blessé, il est dans la cuve de Bacta qui est ici. Pas celle du vaisseau. Pourquoi? Parce que c'est le vaisseau. Parce qu'on touche pas au vaisseau. Pas touche le vaisseau, c'est moi qui l'ai aidé. Surtout pas toi. Oui, bon, moi je toucherai pas aux commandes. C'est le unique, une fois qu'on l'a utilisé, il faut la re-remplir. Oui. Et là, il y en a un ici, on peut pas utiliser celle-ci ici avant. Allez, ouf. Attends, on va voir déjà si c'est ici. Alors, sinon, pour mettre tout le monde au courant, le roi, il a dit les mecs qui... Enfin, la famille, en gros, et le pays dont vous êtes issu, la princesse, bah, ils disent, on va vous péter la gueule si vous ne rendez pas la princesse, parce qu'ils croient que c'est le... En gros, c'est la famille mariée du jeune PD, là, qu'on est sûr que c'est lui, d'ailleurs, je suis sûr que c'est lui. Ça se trouve, il est allié... Ça se trouve, il est allié avec la famille d'une certaine manière. Voilà, et du coup, ils veulent. Ils vont faire la guerre si on leur rend pas la princesse. Mais bon. Mais c'est comme dans Camelot. Mais ce qu'il y a de bien avec Star Wars, c'est que tu dis que le sort du monde dépend de l'Ondam. Et t'es en mode. C'est juste un monde. Non, parce que. Parce qu'il y en a encore plein à côté, en fait. J'ai pas écouté, pardon. Non, je disais, ce qu'il y a de bien dans Star Wars, c'est que quand on dit le sort du monde est entre vos mains, tu fais juste un monde. Non, parce qu'on s'en fout un peu du coup. Non, le sort du sien, les autres, on n'en a plus rien à battre. Mais comme il vous rappelle, s'il y a une bataille, c'est pas une guerre qui m'énerve le plus. Hein? C'est qu'une guerre va attirer l'attention de certaines personnes qu'il n'a pas envie. Ah ouais, les bâtards, on est à l'Empire. Ouais, non, faut trouver la princesse, on vient. Bouillon. Ta tenue de Stormtrooper, peut-être sur toi. Ah merde. Ah oui, tu la mets pas, t'as vu, toi. Ouais. On va faire un calcul, je suis plus comme ça. Narshada. T'arrives en tant que trooper à Narshada, ouais. Mec, on se fait atomiser. On a de la peinture noire. Non, mais c'est pas grave. On a encore une morceau d'armure, c'est comme ça qu'on va dire. Voilà, bon. On a tué, vous voyez, on est vos potes. Non, mais t'enlèves le casque. Bon, moi j'ai réparé le vaisseau. Attends, donc, examine les deux, c'est lequel qui est plus blessé? Justement, c'est ce que j'ai moi, moi je suis malin. D'après ce qu'on a dit, ça paraît. Je sais pas, il a des points de vue en moins le vaisseau? Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, faudrait parler le vaisseau. Bah, justement, je suis en train. Toi, tu vas dans la cuve. Mais il a combien de. Si, si, allez, Grovi, fais ton boulot. Moyen, s'il te plaît. Il a combien de points de vue en moins? 6. 6 à. C'est sûrement le test de. Mécanique moyen. C'est quoi? C'est 1. Par contre, je sais pas comment ça marche. Moyen, c'est 2 difficultés. Tu te souviens pas comment ça marche? Non, j'oubliais. Tu prends autant de dés verts. Hein non. Tu prends autant de dés verts que ton. Que ta compétence ouais. La plus haute. Ouais. T'en modifies autant c'est quoi, ton jaune que ton compétence la plus basse. Mécanique.
Donc tu prends deux dés verts. J'espère que ça va rater. C'est quoi? C'est les gens. D'intel. Ensuite, tu prends, tu transformes autant de dés verts en dés jaunes que tu as d'intel. Surtout que je suis adroit. Non, c'est l'inverse. Tu prends ta valeur. Parce qu'il a 3 d'intel et 2 et 2 lents. C'est comme ça. Non, mais je prends 3 verts. Tu prends 3 verts. Enfin, laisse le faire, comme ça il va le. Oui, mais je n'ai pas de chance, toi. Ah, d'accord. Tu prends 3 verres. Parce que si ta valeur est plus haute entre intelligence, c'est. Bah quoi, non, c'est donc tu prends 3 verres. Je souffre. Tu les en modifies 2. Tu la 2 en jaune. Voilà, et tu fais un test. Toi, tu ne prends pas la douleur, t'es un droïde. Deux délais de difficulté. Pourquoi tant de racisme? Pourquoi c'est plus. Oh merde. Je sais pas si les droïdes veulent te soigner. Le droïde, il veut te soigner. Bah, c'est exactement pareil que pour le vaisseau. Que tu fais un test de vie. Trooper, relance et lance pas sur les dés qui sont là, parce que je sais pas lesquels t'as lancé. De points de vie ou de points de vie? Que veux-tu dire? Qui ne pas être en stand de peur, c'est l'étoile, la chance. En fait, je fais mes. Toi, c'est les succès. Ah ouais, tu fais mon seuil, moi les dégâts. Le, bah, ça dépend lequel. Non, tu me donnes ton seuil, ton niveau de blessure, et tu me donnes. Mon seuil, j'ai 17 et j'ai 3 de blessure. D'accord, donc c'est un test facile. Tu me fais la difficulté. C'est raté, mais j'ai eu la chance. Enfin, je me souviens plus du début, mais je te donne l'armure. Parce que tu dois savoir combien de points de vie tu vas lui rendre. Ah oui. Ouais, bon. Attends, je pensais que c'était toi qui le faisais. Non, c'est bon, c'est pour savoir combien de points de vie. C'est facile. Parce que là, tu le vois si tu le réussis à le soigner ou pas. En fait, l'un des gens te permet d'esquiver. C'est sûr que t'es sûr en terme. C'est plus dur à toucher. Par contre, forcément. Ouais. Bah t'as pas réussi à réparer le vaisseau. Mais tu peux recommencer. Par contre je pense que les valeurs d'encaissement sont un peu biaisées dans le sens où pareil. Forcément si tu prends des dégâts. Mais tu peux rajouter un bleu parce que tu connais un bleu. Elle a pété d'une certaine manière. Elle devrait moins encaisser. 3 réussites et un avantage. Ça sous-entend que tu vas te faire toucher deux fois le moment. En tout, au total, tu réussis et. En fait, j'ai des chances sur les. Mais après c'est trop compliqué du coup. Donc tu lui rajoutes 3 points de vie. Et l'autre il va dans la cave à backtack qui est dans la cave. J'ai dit de réussir. Merci Droid. Vincenzo, j'ai une question. On avait gardé l'armure du Pégu. Ouais, la tenue. J'en sais rien. Le loot, vous vous en occupez. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il avait, le mec qui m'a dit qu'il allait lancer des choses sur un expert en survie. On l'a pris, oui, bien sûr. Je sais pas qui c'est qu'il a. Ne serait-ce que pour les pépites. T'as quoi comme armure? J'ai pas d'armure, moi. Mais personne la porte, si tu veux. Parce que c'était moins bien qu'un truc de Stormtrooper. Ce truc, c'est qu'il y a que toi qui avais une armure de Stormtrooper. Puis j'ai un talent aussi, seuil de blessure plus 2. C'est vrai, ça. Ah oui. Forcément. Moi aussi, j'ai un truc seuil de blessure. Super Botan, t'as quoi comme armure? Il avait un pistol blaster. Oui. Il avait une arme légère. Un gant à décharge, un détonateur thermique léger, qui a pas explosé, mais faudra penser à remettre la minuterie. Attends, gant de charge. C'est vrai qu'il lance des petits œufs et quand ça fait ouais, j'ai des vêtements et une fois un loot, c'est pas parce que je dors une deuxième fois que t'en as un deuxième. Bah à côté c'est libre l'homme, tenue d'officier, détecteur de poche, donc c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on avait farci. Je vois qu'il a un gant à décharge et je me souviens que monsieur a un gant à décharge aussi, ou toi, je sais plus. Moi j'ai. L'un des deux est équipé de. Oui, un gant à décharge, oui, c'est moi. J'ai des vêtements et c'est là qu'il l'a récupéré. Non, moi j'y vais au coup de poing. D'accord, donc vous faites gaffe. J'ai noté piste de thermal, il avait une clé de sécurité. Qu'on a utilisé. Que tu t'es servi pour décoder un petit peu. Il a un moduleur de fréquence aussi. Pour crypter les communications. Entre autres. Pour faire de la radio. Mais normalement déjà. De la radio amateur dans le désert. Mais ça, je sais déjà qu'il l'a récupéré. Logiquement. Good morning, Tatooine. Et il avait 1000 crènes sur lui. Ouais, et son armure. Et son armure renforcée, effectivement, défense 1. C'était quoi du coup? Est-ce que je peux embarquer l'armure du mec du coup? Quelqu'un met une armure de Stormtrooper qu'on peut pas utiliser. Mais il avait un avantage, je pense que tu vas servir un uniforme de côté. Samy, j'ai des vêtements. Il avait un de défense et un de bouclier. Un d'encaissement, tu veux dire? Un d'encaissement et un de bouclier. Comment on soigne? J'ai noté l'armure de Stormtrooper dans les. Pour soigner un droïde, c'est une compétence comme une compétence de soin, mais avec. C'est mécanique, ouais, je ferai pas, mais. J'ai rien en mécanique, je peux pas t'aider. Ah, en fait, tu sais, ça te coûte une. Pour faire des soins. Ah non, c'est des soins légers, donc sinon ça t'a. La défense, c'est la défense distance et corps à corps ou... La défense, c'est les deux. C'est les deux, s'il n'y a pas précisé, c'est les deux. Et je rajoute combien de points de vie vu que j'ai fait de réussite? T'as fait deux réussites, tu rajoutes deux points de vie, enfin tu lui retires deux blessures. Ouais, mais t'as bien retiré les points de la difficulté. Oui, oui. Ouais. J'ai compensé avec la chance. S'il y avait des avantages, tu lui retires un point de stress. Mais je crois qu'ils y sont pas. Non, il n'y a pas d'avantage. Pays, là, la foutre. Et je vais te réparer, toi. Donc c'est pareil, tu fais un. On voit juste des vêtements épais, ouais. Et quand c'est des choses comme ça, ça ne fait que les. Non, c'est un petit problème. Pas les blessures critiques. Les blessures critiques, comme ça. Oui, donc. Alors,
protéger les Toi, la fusée dans la cuve de Bacta. Ouais. C'est quand tu pries, tu prends cher. Je vais dans la cuve de Bacta. Mais comment tu notes que c'est un coup? Celle qui est dans la cave. Il a quoi, lui? Dis-moi. Oui, il est blessé. T'as juste des blessures toutes bêtes? J'ai la moitié de la cave. Il y a deux succès, mais deux défaites et deux malchances. J'ai moins de la moitié, mais à un près, tu vois. On aurait voulu mettre la cuve de Bacta, pas le faire soigner. Il y a deux cuves de Bacta. Il y en a une dans le vaisseau et une dans la... C'est pour soigner les blessures critiques. Ah d'accord. Mais ça soigne pas les petites blessures du coup? Non. Mais ça, je comprends pas, c'est comment tu notes que c'est un truc critique ou pas? Parce que quand tu prends suffisamment cher ou que tu te prends des blessures critiques, je lance les dés et moi je regarde sur ce que ça vaut sur les trucs. Je regarde ce que t'as des blessures tu as et tu la rajoutes sur ta fiche. Putain, il y a un SDF qui va parler. Ah d'accord, c'est clair, en plus, plus critique. Tu as normalement une blessure critique derrière. En plus, il était dans le vaisseau, il visait. Putain, ouais, mais y'en a qui aiment pas la France et ils regardaient tous les Dora et Zara. Parce que moi j'ai plus un de mes critiques par des soignés. Putain, oh ouais. Putain. Donc, c'est-à-dire que quand on me soigne, je me soigne aussi le plus. Je veux ce qu'ils ont les SDF. Bah, y'a que plus un par blessure. Donc. Du coup, j'ai qu'une chance pour le soigner. Mais quoi? Chut. Aurel? Aurel, c'est à vous, oui. Et pourquoi il a un C2D de difficulté? C'est pour le vaisseau. C'était pour le vaisseau. Non, là, il veut me soigner. Bah, je sais pas, oui, t'as combien de points de vie? J'ai 12 de seuil et 5 de blessure. Si, c'est en dessous, donc c'est un test facile. Voilà, test facile. Donc tu peux recommencer si tu veux. C'est beau, j'ai calculé la moitié de 12. C'est ça. C'est plus facile. Test facile. C'est ça, hein, le test facile, on est d'accord. Ouais. C'est 8. Oui. Ah, bah, du coup, 3 réussites, ouais, avec de la malchance. Alors, tu peux lui expliquer. 3 réussites et 2 de malchance. 3 de réussite. Et deux en plus de dizaines d'un échec. Hein. Il n'y a pas d'échec. Il y a pas d'échec. Donc tu lui rajoutes déjà 3 points de vie. Boum. Mais tu mets déranges les yeux. Et bah je sais pas, allez, on va dire que tu lui rajoutes un point de stress. Parce que tu t'es pris comme une merde. Il lui a mis un petit coup de fer à souder. Alors, est-ce que vous voudrez bien m'installer le traducteur universel? Je vais en train de. Ouais. Alors, tu me fais incompétence à l'hôpital. Bien, on en va avoir besoin pour parler le Jabba. Tu te laisses faire? C'est lui qui me demande. Tu te laisses faire? Alors, on va dire que c'est un test facile. J'ai compris. Non. Je me rajoute un point de stress, quoi. Bah non, j'en ai pas parce que j'ai ma chance de médecin qui font que le stress involontaire, je comprends pas. J'ai juste de la chance. T'as juste de la chance? Ouais. Il a pas réussi à te le mettre. Par contre, je pense qu'il a réussi à voir où ça se mettait. Mais il a rien endommagé en tout cas. Bah, il a de la chance donc il a rien. Mais attends, c'est planté, mais il a coupé ce câble là. Non, mais moi je peux essayer, hein. Non, mais c'est comme une cassette. C'est comme une cassette. La bouche. C'est pour parler. On recommence. Non, mais c'est comme une cassette. Ah, non, je réessaye un peu. Au pire, vas-y, lève la tête. Lève la tête. Ah, ça marche, c'est bon. Alors, c'est parfaitement rentré. Un succès de chance. Sauf que tu t'aperçois que, en mettant en route. C'est un virus. Que, mon langage automatique devient espagnol. Y a pas tout, y a pas 6 millions de formes de communication. T'en as quelques-unes. Y a le hut. Je te le dirai quand on en aura besoin, parce que je les ai pas pensé, mais. Si, on va y aller, Il y aura peut-être pas forcément celle dont tu as besoin. Est-ce que tu sais parler le hut? Est-ce qu'il sait parler le hut? Est-ce qu'il sait parler le hut? Mais où est-ce qu'on voit nos langues? T'es sur Tatooine, je pense qu'il y était. Où est-ce qu'on voit nos langues? Hein? Dans ta bouche, mais il faut un miroir. Je sais pas. Mais voilà, par contre, il peut être mis à jour. Donc avec le temps, si tu trouves. Ah, programme Apple, installe. Ça va vite! Il fait une mise à jour en fait. C'est... Non, parce qu'il non, trouve le code trouver. Particulier qui va avec ce vocodeur qui en fait. Ah ouais, cherche un code à installer. C'est le code qui est. Mais peut-être que tu finiras par le trouver. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pilote. Bah, on va aller sur. Tatooine. Non, Tatooine, on y est. Narshadan. Putain, encore du sable. On est où là? Je mets un surnom. Quelqu'un connaît les huts? Bah oui. J'ai des connaissances en bordure extérieure, ça compte? Moi, je ne suis pas. Moi, je devrais connaître les huts. J'ai mis un truc avec les huts. Vincent, je connais les huts, moi. On les connaît pas aussi. Des choses à pas leur dire. Je les connais un petit peu. Enfin, peut-être. Tout ce qui est une kékette, Aurélien, il connaît. Le diplomate, c'est peut-être qu'il les connaît. Qui a demandé le test? Un peu tout le monde. De quoi que bon, tu... on va dire que vous connaissez les huttes de nom, vous savez que c'est des... grosses limaces hermaphrodites. Ils sont durs en affaires. Ouais. J'ai un en pègre. T'as un en pègre?
Tu sais alors dans ce cas-là que les huttes fonctionnent en famille. D'accord. C'est un peu comme des clans. C'est un peu la mafia italienne, Vincent. C'est ça. Mais c'est ça. En gros, c'est la mafia. Voilà. Le principe de régulation, c'est fait. Et ton 1 en pègre te dit que Jabba fait partie du clan des Désilligiques. Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut dire qu'il est issu de Jabba? Ah non, il m'a demandé des connaissances, je lui en ai donné. Voilà. Oui, tu peux dire. Super héros. Tu t'es déguisé en petit mémé. Désilligique. Eh, ouais, des locs. Regarde, on dirait René. Désilligique. Bon, vous allez sur Narshada? Ouais. Ouais. On va jouer à la. Est-ce qu'on peut me soigner? Mais on va me soigner. Et donc on peut pas réinitialiser la mémoire du droïde parce qu'il a l'air défaitiste. Je suis pas en bon état. Il y a un gros bouton pour faire délire ici. Bah normalement on peut. Tu fais ce que tu veux avec le droïde. Ça fait un une réussite. Pour faire quoi? Pour soigner moi. Ah pour soigner lui, bah tu perds. Merde. Oh bah ouais. Merci hein. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je m'en occupe? Ah encore. Mon. Est-ce qu'un droïde s'adore? Non. Alors vraiment t'as des droïdes. Ça repousse ses batteries, non? Il l'a, non, ouais, de temps en temps faut que je recharge ses batteries. Mais tu remarqueras que dans tes caractéristiques, dans tes talents, tu as un talent qui est mécanique. Être mécanique et tu ne subis pas les problèmes des organiques. C'est-à-dire que tu ne t'es pas fatigué, tu n'as pas besoin de manger, boire, tu ne subis pas les effets de la force non plus. Et tu ne subis pas les effets de la force. C'est-à-dire qu'on peut pas le pousser. Tu peux pas lui faire. Tu vas faire ce que je te demande. Oui, voilà. Mais le pousser, on peut. Il n'y a aucune résistance. Tu peux faire comme avec Magneto. Oui, voilà. Il n'y a que les boulons qui marchent avec moi. Exactement. Donc vous partez pour Narshada, oui ou merde? Oui. Dans la lettre, j'ai répondu oui. D'accord. Mais donc, alors, voilà. Donc non, on pourra vendre le. Tu peux continuer à réparer le vaisseau pendant qu'il est en vol? Ouais, mais ça peut être. Mais à l'intérieur, je veux dire, ouais. Mais. Mais de toute façon, là, tu peux pas faire plus. Mais je l'ai réparé. T'as déjà réparé le max avec ce que tu as. Ok. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Putain, il a détaché le fou. Il a détaché le réacteur. C'est comment ça. Ouais, je trouve ça complètement. En quittant Tatooine, au loin, de l'autre côté, vous avez la planète là, puis au loin de l'autre côté, vous voyez. Un destroyer stellaire impérial qui poursuit un autre vaisseau beaucoup plus petit. Avec la musique en plus. Bon. Au loin. Et ça a l'air de scanarder fort. Tant mieux, ça ne nous concerne pas. Continuons. Ah mais oui. T'as raison, ça ne nous concerne pas. Et le gros vaisseau est bleu. C'est un destroyer impérial, on se barre. On se casse. Tu sais à quoi ça ressemble un destroyer? C'est un énorme vaisseau. En dessous, t'as le tout petit. Tu sais, on dirait un porte-avions là. Non mais je vois bien. Ici, il y a canard. On se casse. C'est un gros Toblerone. J'ai une grosse part de pizza. Pilote, peux-tu nous avoir des informations sur le vaisseau qui est en train de se... Je suis en train de regarder. Ouais. Des informations sur le vaisseau qui est en train de... C'est lui, mais c'est pas grave. Alors, lui, c'est le pilote. Lui, c'est le pilote. C'est l'astrogate. Ouais, mais c'est aussi le. L'astrogate. Et c'est celui qui s'occupe des instruments. Alors, du coup, c'est déviatoire. Et l'astrogate. Juste savoir si t'es parti. J'aurais pris un coup de charbon. Juste savoir s'il fait partie de. Mais je te l'aurais dit avant. Oui. Savoir si ce vaisseau fait partie de ceux qu'on a pour voir suivre dans les films. Ah oui. C'est marrant, j'ai pas un peu de Je regarde s'il fait partie de ceux-là. Le quoi, le vaisseau impérial? Non. L'autre vaisseau, c'est lui qui s'est fait partie. Non, il est pas dedans. Par contre, tu peux t'apercevoir qu'il s'appelle le Tantive 4. Le Tantive 4. Non mais on peut essayer de piquer le vaisseau impérial. C'est un nom qui vient d'inventer. Non, c'est un vaisseau celui qu'on cherche. Ça vient de le film là, il y a un truc. C'est oui, le Tantive 4. Ça vous dit rien le Tantive? Bon, c'est pas grave. Non mais c'est clair au film. Ah oui, mais dans le film, pas. Dans le film, ils le disent pas. Alors vous passez en hyperespace. Bon, c'est le vaisseau de Luke, c'est ça? Et je lui dis bonne chance. Bizarrement, sur la fréquence autant. C'est quoi, on voit le lobby. Voilà. Bon, on se casse, hein. Non, mais c'est. C'est une capsule de sauvetage qui s'en va, vas-y, on la chope. Mais c'est juste un vaisseau qui se fait péter, on en a un bout, c'est pas nous, ok? Mais c'est une capsule de sauvetage aussi, on va l'arrêter, non? Il y a des drones. Mais oui, c'est pas comme Faucon Milieu, il faut prendre leur bateau, attention. Qui chope R2D2 qui est comme ça. Ça en a foutre. Est-ce que c'était un Faucon Millenium? Non. Non, c'était une corvette corélienne. Ah, c'est précieux, le doigt. Rien à voir.
Oui, il y a deux droïdes. C'est un grand vaisseau donc, avec, les avec un genre de cylindre à l'avant et à l'arrière, t'as des réacteurs un peu. C'est le putain de vaisseau de Layla en fait. Donc vous êtes passé en hyperespace.